Barthélémy. Merci, bonjour. Merci. Comment on procède? Moi, je vais parler en français avec... Bon, je parlerai peu, je te laisserai. Je tenterai parler en catalan ou... Moi, j'essaierai de parler en catalan ou en espagnol. Tout d'abord, bonjour. Pour moi, c'est très émouvant, Emmanuel. Je veux d'ailleurs te remercier de m'avoir invité à cette discussion. Et notamment après avoir entendu Christine, pour vous tous que vous êtes ici, je voudrais te demander de m'inviter à nouveau pour démentir beaucoup des choses qu'elle a expliquées. Je suis désolée, mais je crois qu'il y a une façon... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle soit là, j'aimerais parler avec elle, parce qu'il y a des questions décoloniales, des exemples, la littérature, les spécialistes, que depuis l'anthropologie, la sociopolitique, la théorie de l'art et le monde des musées travaillent depuis longtemps pour qu'on comprenne ces termes, ces histoires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous entendez la traduction? Je suis en train de parler sur le canal 2 pour voir si M. Barthélémy nous entend. Le volume. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez sur le canal 2 de français? Parfait, très bien. Je disais que j'aimerais beaucoup pouvoir parler. Et d'ailleurs, Barthélémy m'a dit que ça serait bien d'avoir une discussion non académicienne. Et donc, je ne vais pas faire un discours. Mais en entendant l'intervention de Christine, je me sentais pas à l'aise parce que il y a beaucoup de choses que les historiens, que les intellectuels et les commissaires, pendant des décennies, nous avons travaillé pour faire des recherches. Et qui ont été revues pendant une heure de façon très superficielle. Donc, les personnes qui s'intéressent à ce sujet, je vous invite un autre jour, ici ou dans le musée d'art moderne MACBA, pour en parler, même si c'est dans des groupes de travail, parce qu'il y a des bibliographies, des modes de travail qui démontent beaucoup des mythes qui ont été présentés. Et il y a beaucoup de participation aussi de femmes intellectuelles, d'artistes extraordinaires comme Barthélémy, comme Emmanuel, depuis la partie des curateurs, qui sont essentiels pour comprendre les concepts de colonial, décolonial, postcolonial, et comme on appelle en Amérique latine, descolonial, avec un S en espagnol. Et il faut faire un effort incroyable, à mon avis, et je le partage avec vous, pour comprendre que quand nous sommes ici, nous avons une certaine autorité, mais nous sommes en fin de compte des personnes qui peuvent se tromper, qui peuvent être démenties. La déconstruction d'un discours hégémonique ne peut pas être changée que si on va aux racines du discours. Nous avons entendu une présentation où je me suis perdue avec tous les exemples qui ont été posés, mais où on voit beaucoup de présence d'un modèle hégémonique duquel on ne veut pas se défaire. Il y a beaucoup de personnes, et probablement je suis une des personnes qui, depuis ici, et non seulement aujourd'hui, dans les dernières années, depuis que j'étais étudiante ici à Barcelone, j'essayais depuis toujours de trouver les racines. Où je cherchais le mot en catalan et je ne trouvais pas les racines de cette pensée. Mais s'il vous plaît, pensez les personnes
qui se sont passionnés de ce discours parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de choses très importantes pour comprendre ce monde, mais beaucoup de ces choses étaient chargées, à mon avis. Je dois démentir aussi des choses que je dis, comme et c'est pourquoi il faut faire l'effort d'aller chercher le matériel qui nous permettront de comprendre la plupart de ces définitions et de ces exemples. Une des choses qui m'arrive et je vais m'arrêter pour ne pas faire une revendication et c'est pourquoi je vous invite au MACBA ou ici de nous revoir pour parler des sources de ces sujets-là. Je cherchais une chose, juste une, pour que vous voyez que c'est très important d'avoir les sources claires en tête. Stuart Hall parlait du monde du poste. Et je vais faire une traduction. Je ne sais pas si je peux parler anglais, que c'est mieux de parler en espagnol et nous on traduit vers le français. Oui, parce que directement de l'anglais au français, c'est pas l'idéal. Stuart Hall, un homme extraordinaire que vous pourrez trouver avec ses ouvrages sur des revues spécialisées, des textes sur innovations, par exemple, des textes qui créés par l'INIVA, une étude d'études visuelles. Il a dit, en pensant au concept, aux notions de musée, à la fin de l'histoire, la notion de post-histoire, post, il disait, je vais lire en espagnol. Je ne peux pas le faire directement en catalan. Il disait, comme une des possibles acceptions, des articulations de ce qui a été dit récemment. Il y a un abus de la notion de poste dont je faisais référence tout à l'heure. Il parlait dans un article, dans un contexte, les musées d'art et la fin de l'histoire. Et c'est un texte que je vous recommande. Et si vous ne le connaissez pas, venez me le demander. Il disait, on abuse de la notion de poste. Et moi, j'ai décidé donc automatiquement m'arrêter, penser qu'est-ce que ça veut dire poste pour moi. Et poste, avant, Christina, dans son exposé, parlait des gens qui écrivent poste avec un trait et sans trait. C'est les personnes qui suivent, par exemple, les lectures de théories des postcolonialistes en Angleterre ou en anglais, et des gens qui le suivent dans les traductions faites en français, en espagnol ou dans d'autres langues. Donc, ce n'est pas une notion, un positionnement de ces personnes, mais qu'elles lisent des textes qui ont été traduits dans une autre langue. Je n'utilise pas le terme post pour indiquer après, after, une séquence ou un sens chronologique, même si c'est une phase où comme si c'était une phase ou une série de pratiques qui aboutissent dans un nouvel début. Post, pour moi, ça fait référence toujours à l'aftermath, aux conséquences. Afterflow, quelque chose qui suit une configuration particulière, mais ceci ne veut pas dire un aspect particulier de l'esthétique de l'histoire qui devient une nouvelle esthétique, mais une nouvelle impulsion qui résume un nouveau terrain ou un nouveau contexte qui érode les frontières de ce qui a été occupé avant et qui
était vu de façon claire, mais qui passe et qui devient quelque chose d'ouvert, d'habiter à ces nouveaux endroits, dans ces segments, dans ces blessures. Donc c'est un poste qui assume le geste colonial comme faisant partie de sa propre nature. Après 200 ans de colonisation, comment dire quelle partie de toi n'est pas européenne? Quand les gens me disent, moi j'habite depuis très longtemps à Barcelone, depuis combien monsieur du Pakistan ou d'Algérie ou une femme anglaise ou américaine? Ils me disent, moi j'habite ici depuis 20 ans. Alors une partie de toi est catalan, une partie de toi est Barcelone. Tu peux pas l'éviter. Tu aurais dû vivre, tourner. Et si je peux faire quelque chose moi pour le monde des musées, des intellectuels et des académies de cette ville, ce serait de défaire tous ces contextes ou même. Donner aux personnes le matériel originel pour que les gens fassent sa propre interprétation. Barthélémy, est-ce qu'on peut le recevoir avec un grand applaudissement et on lui souhaite la bienvenue? Je vais parler espagnol parce que là, je ne sais plus ce que je parle. Le projet, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition. Non, pas encore. Bon, je vous la verrai tout à l'heure. Je trouve que c'est un geste très beau d'inviter Barthélémy. Peut-être on devrait commencer par Emmanuel. Pourquoi cet artiste? Pourquoi ce dialogue envisagé avec Picasso? Comme ça, on vous traduit. Mm-hmm. Bien évidemment, tout projet culturel, scientifique, de public, d'un musée, est toujours centré sur sa collection, et c'est important, c'est même obligatoire, ça ne peut pas être autrement d'avoir un regard contemporain en tant qu'historien de l'art, critique d'art. Je pense que c'est les œuvres qui doivent parler. On a toujours un regard aujourd'hui. Toutes les expositions qui se font tournent autour de cette présence de Picasso à Barcelone et de son œuvre. Regard d'un historien, regard d'un universitaire, mais c'est aussi important d'avoir un regard d'un artiste, puisqu'on parle toujours d'art. J'ai toujours revendiqué une certaine forme d'anonymat et le fait que il faut effacer le nom. Pour présenter une œuvre d'art et bien la présenter, ça se fait avec les yeux. C'est là comme ça qu'on est didactique. Accrocher une œuvre d'art, c'est pas illustrer les idées, c'est au contraire faire naître un récit à partir des œuvres d'art. Dialoguant avec Barthélémy, grâce à Androula Michael, qui co-dirige le doctorat avec nous ici, qui a collaboré à de nombreuses expositions totalement nouvelles, cette métaphore, la cuisine de Picasso, ou Picasso poète, Picasso un homme qui mange le monde en entier, et Androula a une amitié avec Barthélémy Togo, bien évidemment, c'est un peintre universel qu'on connaît à les biennales, à travers des expositions, etc. On a discuté, on a dit, pour voir un petit peu ce regard venu d'un grand artiste universel venant du Cameroun. Il nous en parlera après. Qui découvre Picasso quand il fait son toile sur le Rwanda, c'est le massacre absolument horrible il y a une vingtaine d'années. Et puis qui découvre le musée, c'est une forme de dialogue poétique, dialogue semi-éveillé, semi-endormi, selon les paroles d'Henri Michaud, du grand poète Henri Michaud, ce qui est absolument merveilleux avec Barthélémy. Je sais qu'il voyage dans le monde entier, de l'Australie, en Catalogne, etc. Il a tendance comme ça pour réfléchir, avoir les yeux clos. C'est peut-être les yeux clos qu'on voit le mieux, ce fameux les aveugles qui voient. Il y a cette dimension poétique. Si son art est fondamentalement politique, quelque part, au bon sens du terme, avec des compromis sociaux autour du racisme, de l'exil, on peut voir, c'est tampon, etc. Et en parlant avec lui, je vois que c'est quelque chose qu'il a vécu dans son corps. Il y a toute une mémoire de l'Afrique, toute une mémoire de sa propre vie, du passage des frontières, on va peut-être en parler,
en ayant des actes performatifs, comme on dit, plutôt drôles, de passer avec une valise qu'on ne peut pas ouvrir, de s'habiller en éboueur, tous ces gestes. Et d'avoir ce regard contemporain, ce n'est pas une grande exposition, mais c'est une exposition qui dialogue et qui nous permet aussi de dialoguer lors de ce doctorat, qu'on va réinviter Barthélémy à faire des performances. C'est absolument, et j'espère peut-être même au Bagba, je ne sais pas, c'est absolument merveilleux d'avoir aussi un regard contemporain d'un artiste sur nos propres collections. Et j'ai pour cette exposition soit à Baïch, en bas, avec des salles qui sont ouvertes sur la rue Mancala, où passent des millions de personnes chaque semaine. Et c'est une exposition qui est visible de tous les côtés, mais qui est surtout visible aussi depuis la rue. Et je pense que c'est un appel à la réflexion, au-delà de la réflexion, au plaisir de regarder. Il ne faut pas oublier qu'un musée, c'est aussi un lieu où on regarde des œuvres d'art. Et le discours d'une œuvre d'art n'est pas le même discours qu'un discours idéologique ou un discours théorique. Non, monsieur, non, madame ne veut pas dire, disait André Breton à quelqu'un qui voulait expliquer rationnellement une métaphore du grand poète Saint-Paul Roux. C'est très intéressant ce que vous expliquez de l'intention poétique, ce qui relie avec Picasso et Barthélémy. Vous que vous avez travaillé, parce qu'une des choses merveilleuses que je me rappelle de ce musée, c'est le parcours de Picasso. Ce parcours où on ressent que les styles n'étaient pas suffisants, que la manière de travailler... les matériaux n'étaient pas suffisants. Il voulait toujours plus. Ceux qui connaissent la figure plus grande que la vie, nous le comprenons ainsi. Il y a, Barthélémy, une partie de votre travail qui ressent qu'on va de l'installation à l'aquarelle, du papier, à la toile, de la performance au travail minutieux, silencieux sur le papier, jusqu'à la constitution d'une petite institution où vous avez comme Banjoom Station. J'aimerais que vous parliez de ce regard contemporain dont parlait Emmanuel, mais de la façon dont que vous ressentez cette génialité et qui vous porte à partager le génie et le geste de générosité avec d'autres personnes grâce au projet de Banjoom Station. Bonjour à tout le monde, c'est juste un plaisir d'être avec vous ce matin et je voulais dire que l'histoire avec Picasso commence quand j'ai eu envie de peindre une œuvre pour parler d'une tragédie qu'il y a eu sur le continent africain et parce que j'ai vécu cette tragédie, je dirais, un peu dedans, puisque j'étais étudiant à l'école des beaux-arts d'Abidjan, avec un étudiant rwandais qui avait laissé sa famille en Afrique. Et on suivait sur RFI, au quotidien, tout ce qui se passait, et ce génocide, j'étais au courant, et chaque jour j'apprenais comment il me racontait comment sa famille était décimée, tout le monde était mort, et j'ai commencé à prendre conscience à la force et à la triste histoire de cette tragédie. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué à suivre certains journalistes comme de Saint-Exupéry, qui étaient sur le terrain envoyé par la force turquoise. Et toujours en France, vers 2012, je me suis dit que bientôt, on va commémorer les 20 ans du génocide rwandais. Et je me suis dit, il faut faire une œuvre forte. Et j'ai eu à apprendre que dans l'histoire de l'art, un artiste, Picasso, avait peint la tragédie et ce qui s'était passé à Guernica. Et donc,
je suis allé voir qu'est-ce que c'est que Guernica, où se trouve l'œuvre et quelle est la dimension de l'œuvre pour commencer à fabriquer mon œuvre au Rwanda. En pensant d'abord à Guernica, qui était un témoignage de ce qui s'était passé. Puis j'ai découvert aussi que les artistes de la Renaissance en Italie avaient vécu la peste qui avait sévi dans la ville de l'Italie, à Florence, et avaient aussi peint cette histoire. Et je me suis dit, je vis en 2000, à l'an 2000, j'ai entendu parler de ce génocide, il faut faire une œuvre forte en tant qu'artiste sur ce que c'est que le génocide au Rwanda. Voilà comment je découvre Picasso que par cette œuvre. Et donc, je réalise Rwanda, qui, malheureusement, je souhaitais que Rwanda soit être destiné et exposé au Rwanda. Je n'ai pas eu les moyens, mais un collectionneur américain du nom il faut m'aider, s'il te plaît. Xavier Pérez, c'est ça, de Monsieur Pérez, qui a le musée Pérez, a décidé de prendre cette œuvre et elle est à Miami, aux États-Unis, exposée régulièrement. Voilà comment je rentre en contact avec Picasso. C'est par la suite quand je rencontre Androla, parce que je l'invite au Cameroun pour accompagner le projet de musée que j'ai au Cameroun, qui a une dimension plus sociale, une dimension associative avec la communauté locale. Je demande à Androla de venir faire un projet à Banjul Station et elle rentre dans mon travail et trouve des liens dans mon travail petit à petit et en parle vers 2000 à monsieur Emmanuel Guiron et les deux trouvent l'occasion de m'inviter au musée Picasso et je parcours le musée Picasso et j'arrive devant les Ménines où le directeur me dit ben Barthélémy, tu devrais même t'inspirer de cette œuvre et essayer de travailler sur cette œuvre. Et donc c'est comme ça que je regarde les Bénins et je reviens à Barcelone, je m'installe au musée Picasso et je reprends d'abord l'histoire de Ménine. Je découvre que Velázquez avait aussi peint les Ménines et que Picasso a peint ses Ménines. Et je me suis dit, il me faut peindre aussi mes Ménines en gardant la structure formelle et la disposition des histoires et les attitudes que je vois dans l'œuvre, dans cette œuvre qu'est les Ménines. Voilà un peu comment je suis rentré en contact avec Picasso. Mais si Emmanuel a quelque chose à dire que j'ai oublié, il peut le dire. Je n'ai pas suggéré, c'est tout simplement un dialogue. On était là pour, avec l'amitié et le dialogue, que tu aies choisi les Ménines, c'est merveilleux. La phrase la plus connue de Picasso, « Je ne cherche pas, je trouve », hier, a une petite fulgurance, Androula, en disant « Barthélémy Togo n'a pas cherché Picasso, il l'a trouvé ». Un petit peu jeu de mots, mais ça, c'est assez juste. J'adore le dialogue. Vous connaissez bien les œuvres et nous n'avons plus l'occasion de parler, mais je vais quand même rappeler une anecdote de hier qui m'a fait sourire, très belle, en plus qu'une grande actualité. Et des choses qu'on ne connaissait pas, même quand on a lu les livres de Philippe Dagenin ou autres sur toi. Tes années de formation à Abidjan, tu disais que tu es le fils unique, quoi. Sinon tu as deux sœurs. Et ton père ne voulait pas te laisser partir à l'école, c'est grâce à ta mère. Tu habites Jean pendant 4 ans et tu copies des moulages venant du Louvre, des moulages de sculptures classiques. Toi qui n'es pas un visiteur de musée, parce que tu es un artiste qui... On voit que tout est en mémoire de ton corps, quelque part, tout ce que tu fais. Tu ne connaissais pas vraiment le Louvre et il se trouve que 30 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard, tu es au centre même du pouvoir symbolique, au centre mondial de l'art universel, qui est le plus grand musée du monde, les Français m'ont dit que c'est le plus grand musée du monde, avec cette magnifique pyramide de Pei. Et depuis mardi,
La création de cette exposition s'est faite cette fin de semaine. Bien évidemment, elle a été pensée, elle a été vécue bien avant, mais c'est faite en quelques jours. Et tu as fait l'aller-retour mardi pour installer une immense installation, une immense sculpture. Il y a déjà, on m'en parle déjà de l'inauguration, ça n'a encore pas lieu. Et tu es, c'est assez drôle. Tu t'es formé à l'artiste du Cameroun très jeune, qui quitte sa famille, qui est loin, à 4000 km, et puis qui, 30 ans plus tard, est au centre, à l'entrée même du Louvre. C'est juste une belle histoire. Oui, c'est une histoire passionnante et inattendue, parce que quand je quitte le Cameroun, étant le seul garçon dans une famille de 3 enfants, et mon père ne veut pas que je quitte le Cameroun et que je parte à l'étranger, à 3000 km de lui. Il n'était pas polygame, il ne voulait pas être polygame, alors que toute la société bamileke, l'ethnie où je viens, sont plus polygames. Il avait une seule femme. Et cette femme lui avait donné que 3 enfants. C'est ce que j'ai remarqué. Que ma mère même était frustrée par rapport à ses collègues qui avaient 12 enfants, de n'avoir eu que 3 enfants. Et mon père n'avait jamais, on lui avait conseillé de prendre une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, c'est pas possible, tu as 3 enfants. Et mon père n'avait jamais voulu prendre une deuxième femme. Et donc il voit que son seul garçon parmi ses 3 enfants veut partir en Côte d'Ivoire, 3000 km de lui. Il ne m'encourageait pas. Et moi, j'avais envie de faire de l'art. J'avais envie de faire ça. Parce que pour moi, à l'âge de 18 ans, 19 ans, aller dans une école de beaux-arts, c'était comme aller à Sciences Po. C'était comme aller, je ne sais plus, comme à l'école d'architecture, de je sais pas quoi, ou des travaux publics de Paris. Et moi, c'est des génies qui allaient aux beaux-arts. Et donc, il n'y avait pas d'école de beaux-arts au Cameroun. J'ai dit, il y a l'école de beaux-arts à Kinshasa. Et j'avais 18 ans et on parlait tellement du sida. Je me suis dit, c'est peut-être un peu dangereux d'y aller là où il y a peut-être plus de... Donc j'ai enlevé le Congo dans ma tête. Il n'y avait pas d'école de beaux-arts au Cameroun, parce que créer une école de beaux-arts au Cameroun était une façon d'inciter des gens à la revendication. Alors qu'on est dans un pays... d'un seul parti, et qu'on a envie de garder le pouvoir, il ne faut pas créer une école des beaux-arts. Et moi, je voulais entrer à l'école des beaux-arts. Et le Sénégal était très loin. Le Sénégal, c'est l'autre bout de l'Afrique. Quel pays était plus proche du Cameroun? C'était la Côte d'Ivoire, qui était à 3000 km du Cameroun. Et donc, j'ai dit à mon père que je veux aller. Il a pris ça très mal. J'ai vu mon père vraiment... Son seul garçon qui était sa photocopie physique. Mon père, c'était ma photo. Vraiment avoir envie de partir. Et mon père, ma mère, dans la nuit, est venue me donner 40 000 francs CFA, c'est-à-dire quelque chose comme, je ne sais pas, 30 euros, pour m'aider pour mon voyage. La nuit, que voilà tout ce que je peux te donner. Je suis parti. Parce que j'avais envie d'entrer à l'école des beaux-arts. Je suis parti, je suis arrivé à Abidjan, je me suis inscrit. J'ai découvert un enseignement académique classique, copié sur l'ancien enseignement artistique en France dans les années 60. Et en France, l'enseignement artistique avait déjà évolué. Mais en Côte d'Ivoire, il fallait continuer à copier les sculptures venant de l'atelier du moulage du Louvre. Et donc... Comme les copies originales venues du musée de Louvre depuis 1960 étaient tombées, avaient cassé les oreilles, le nez, le drapé, tout et tout, le professeur de l'atelier de sculpture regardait une copie d'un étudiant qui n'était pas trop cassé et nous demandait de copier cette copie. Et donc on est sur la copie de la copie d'une copie du Louvre est copiée par un étudiant, et c'est ça qui devient notre modèle. Mm. Vous voyez? You had to use this. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, qui a trait
à la façon dont nous sommes éduqués. Senghor disait, je vous invite à lire un livre fantastique de Salimane Bechevan qui parle de Senghor et la philosophie de l'art. Et Senghor et d'autres artistes, Ibrahim El-Salahi, Kamal Isaac, des artistes modernes, et vous parlez d'un moment très spécifique, d'un moment où vous avez été éduqué dans l'art européen qui venait de l'Académie française. Et tout d'un coup, vous devez trouver votre génie, votre style. Vous devez trouver dans vous, qui êtes-vous en tant qu'artiste et faire un processus de ne pas apprendre ou de désapprendre. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, après la copie de la copie de la copie, qui est le véritable Barthélemy? Et 4 années de copie, je me suis dit, il doit certainement avoir une autre démarche, un autre type d'enseignement artistique. C'est comme ça que je postule pour entrer dans 3 écoles des beaux-arts en France. Je suis en Côte d'Ivoire, je vais à l'ambassade de France, j'ouvre un livre sur les universités qui apprennent les beaux-arts. Je choisis 3 écoles. C'est comme ça que j'envoie des lettres et je reçois les 3 réponses. 2 réponses négatives à Dijon et à Bourges et 1 réponse positive à Grenoble. Je prends mes affaires à Abidjan, j'arrive en France, je vais à Grenoble, et il y a une commission de quelques 3 professeurs qui font une évaluation par rapport à ce que j'ai appris et ce que je dois apprendre à Grenoble. Et décide de me mettre en deuxième année, et j'avais 24 ans. Deuxième année. 24 ans. Je prends ça comme un coup de poignard. Je rentre à la cité universitaire olympique. Je pleure pendant des semaines et des mois parce que je me dis, j'ai fait 4 années à l'université à Abidjan et que maintenant on m'inscrit en deuxième année, c'est une disgrâce totale. Et je me ressaisis après 1 mois, je prends les cours, je me dis, c'est peut-être pas mal parce que je dois apprendre certainement ce que je n'ai pas appris à Abidjan. Et c'est comme ça que je fonce à la librairie, je découvre les œuvres de Joseph Kossuth, je découvre les œuvres de Susanna Solano, les œuvres de Kate Haring, les œuvres de Yanis Kounelis, les œuvres de Yann Dibet. Je découvre la performance, je découvre autre chose que la sculpture des copies d'Agrippa, des copies de Donatello, des copies de Michel-Ange ou du cardinal de Richelieu que j'ai eu à faire. C'est génial. Et là, je me dis, bon, c'est intéressant. C'est comme ça que je découvre que l'école d'art de Grenoble est la première école avant-garde en France qui a fait sortir les Pierre Huyghe. Très grande école de Grenoble, oui. Exactement, les Ange Leccia qui met 2 Mercedes face à face. C'était énorme. Dans les années 80, 90, je suis à l'école d'art de Grenoble. Dominique González Foster est sorti de cette école. Pierre Huyghe, Philippe Parreno, tous. Et je passe 4 années. Et je sors en 1996 avec une mention 20 sur 20. Mais je me dis qu'il doit certainement avoir encore autre chose. C'est comme ça que je postule pour aller à la Kunstakademie de Düsseldorf. Et j'arrive à Düsseldorf et je découvre là le professionnalisme dans ce métier qui est l'art. Avec des professeurs comme Yanis Kounelis que j'ai fréquenté. Les professeurs comme Tony Craig, les professeurs comme Klaus Rinke, qui a fait des performances incroyables avec l'eau. Et c'est comme ça que j'ai passé 10 années dans l'enseignement artistique. Il y a une chose très belle.
il y a quelque chose de très beau dont vous avez parlé au début. Barthélemy a passé quelque temps en travaillant ici dans les salles du musée. Il y a quelque chose dans votre œuvre, quelque chose de méditation, de poétique, mais il y a aussi ces éléments de l'aquarelle. Et le trait d'une poésie qui revient. Je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer, pour les gens qui n'ont pas vu l'exposition, le mural que vous avez fait, le travail en papier, mais aussi le besoin que vous avez de créer un espace où le spectateur peut vivre, des espaces, des endroits où les spectateurs pourraient vivre. Bien sûr. Non, ça a été un moment fantastique, Elvira, parce que je me suis dit, cette salle que le directeur Emmanuel me donne, comment je pourrais communiquer avec le spectateur dans cette salle? Et donc, je suis rentré chez moi à Paris, j'ai imaginé, et il fallait vraiment faire une communication avec Picasso, c'est-à-dire que non seulement 98% des œuvres ont été créées pour cette exposition, d'où la réponse positive que nous sommes dans une communication et non un transport d'œuvres sur place. Il y avait un mur, ce mur géant, où je me suis dit, il faut faire quelque chose là, dans ce mur. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'utiliser ma démarche que j'ai déjà, de dessiner spontanément. Et Androula m'a trouvé du papier que je n'avais jamais travaillé sur ça. Un papier de 2,44 m qui était la hauteur de ce mur, et à 50 mètres. Mais on l'a coupé à 15 mètres, parce que le mur, c'est 15 mètres. On va grandir le musée, pour toi. Je pense qu'ici, on peut voir des images qui correspondent à l'œuvre qui est exposée ici. Mais je voudrais aussi, Barthélemy, si vous pourriez parler de Banjun Station, pour des multiples raisons, parce que c'est aussi votre travail physique. C'est une structure physique qui répond à votre désir physique de créer une structure sociale, de créer aussi une sorte de sculpture de production sociale. Je ne sais pas si on pourrait figer l'image où l'on voyait, ici vous voyez Barthélemy dans les salles du musée. Après, j'aimerais parler d'autres projets, mais est-ce que ça c'est génial aussi? Ça c'est le projet dont on parlait du Louvre. Des projets, est-ce que vous pourriez parler des sujets qui vous intéressent, les thématiques? Non, est-ce qu'on pourrait figer cette image de la Banjun Station? Celle d'avant, ici, on peut vous voir en travaillant. Je ne sais pas si on pourrait arrêter le PowerPoint. De Banjun Station. Parce que je pense que vous expliquez des récits, vous expliquez des contes, des histoires. Est-ce que vous pourriez parler de la Banjun Station? Quand je passe 10 années de formation, je me dis qu'il faut que je donne ça à l'Afrique. 10 années de formation à l'étranger, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner à l'Afrique? Et donc, c'est comme ça qu'en l'an 2000, je me dis, il faut que je retourne en Afrique pour donner quelque chose à ce continent. Et c'est ce que devraient faire tous les Africains de la diaspora qui ont eu des connaissances dans la médecine, dans le sport, dans la culture, dans l'éducation, dans l'agriculture, ainsi de suite, doivent retourner sur le continent et les mettre cela au service de leur peuple. Et donc, je me suis levé dans mon atelier dans le 20e arrondissement. J'ai pris un vol, je suis allé en Afrique. Je me suis dit, il faut construire physiquement un lieu pour des résidences d'artistes, un lieu où les artistes du Cameroun, d'Afrique, du monde entier doivent venir
échanger leurs connaissances. Et c'est comme ça que j'ai construit Banjul Station sur un terrain familial, parce que j'avais peur d'aller à Yaoundé, qui est la capitale, ou à Douala, qui est la capitale économique de 3 millions d'habitants, et où on est dans un système très faux, où les titres fonciers, les permis de construire sont très compliqués. Je peux m'acquérir d'un terrain, je commence à construire, et 6 mois après, quelqu'un vient me dire que j'ai le même titre foncier, c'est à moi. Je ne voulais pas entrer dans le faux qu'il y a au Cameroun. Je suis allé sur un terrain familial où il y a la sépulture de mon père. On enterre encore les gens chez soi. Mon père est enterré sur ce terrain. Et donc je savais que personne ne pouvait venir me dire « ça c'est mon terrain ». Et donc je suis allé sur un terrain où j'étais sûr de débuter un chantier et de le terminer. Parce que j'avais 28 ans, 30 ans. J'étais jeune physiquement. Et je me disais « il faut faire ça aujourd'hui ». Quand je peux faire. C'est comme ça que je rentre au Cameroun, je débute sur un terrain nu, Banjul Station, la construction de ce bâtiment, sur un terrain nu. Et il y a un immeuble à droite pour les résidences d'artistes et à gauche des salles d'exposition, un rez-de-chaussée pour la bibliothèque venue du deuxième musée d'art contemporain en France, qui est le musée d'art moderne de Saint-Étienne, parce que le directeur Laurent Negui avait dit « Barthélemy, ce que tu fais en Afrique est incroyable ». Le deuxième musée d'art contemporain de France, après le centre Georges Pompidou, c'est le musée d'art contemporain de Saint-Étienne. On va vous donner des livres venant de ce... Et donc, la bibliothèque de Banjul Station a des livres d'art contemporain d'aujourd'hui. Ni l'université de Yaoundé, ni l'université de Douala, ni l'université de Tchang, qui est à 50 km de Banjul, n'a aucun livre que Banjul Station a. Et donc on est bien équipé avec des deux salles d'exposition et une salle, la dernière salle, c'est la salle d'exposition permanente avec une collection que j'ai commencée depuis mes débuts dans les années 90, où je suis allé à la Biennale de La Havane, à la Biennale de Valencia en Espagne, à la Biennale de Sydney, à la Biennale de Venise, ou dans des grandes expositions à Africa Remix, ou à la Manchester Art Gallery. Partout où je voyage dans le monde, je découvre des travaux d'artistes que j'aime bien, je fais des échanges avec ces artistes, et aussi avec mes collectionneurs qui ont des œuvres de Louise Bourgeois que je n'en ai pas. J'ai pu avoir 5 Louise Bourgeois, j'ai pu avoir du David Hockney par le nom, et des artistes africains comme Chéri Samba, comme Soli Cissé, comme Freddy Timba, sont dans la collection permanente. Et voilà. Et là, c'est des ateliers d'artistes pour dormir et travailler. Et donc, j'ai construit ce projet. Et quelques années après, je me suis dit, il faut associer un projet agricole sur la qualité de ce qu'on mange. Et donc, j'ai pu créer, à 5 km de Banjul Station, 5 hectares de terrain, parce que j'étais fasciné par une citation de Senghor qui disait que les agriculteurs africains sont pauvres parce que les prix de leurs matières premières sont fixés par l'Occident. Et quand Léopold Sédar Senghor dit cela, je me suis dit, nous les Africains, on va essayer, nous les jeunes artistes au Cameroun, on va créer une plantation de café et on va planter notre propre café, comme vous avez vu dans les images. On va le récolter, on va le décortiquer, le sécher, le torréfier, fabriquer son emballage et fixer nous-mêmes les prix. Génial. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, non? J'aimerais bien ouvrir un tour de parole pour les gens qui sont ici avec nous, mais nous, on va continuer à parler tant qu'il n'y a pas de questions. Mais peut-être, est-ce qu'il y a ici des jeunes artistes qui aimeraient poser des questions à Barthélemy, écouter les problèmes auxquels il a dû faire face? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de poser les questions. Je dis des jeunes artistes, c'est pas forcément une question d'âge, des gens qui commencent. Parce qu'on ne peut pas tout dire dans un débat d'une heure. C'est Ayana Barthélemy. Creo que necesitas un audio.
Vous avez besoin d'un microphone, d'un micro. Bartholomé, merci beaucoup. C'est fantastique de vous rencontrer ici. La question que j'ai, c'est comment vous choisissez les artistes que vous admettez à votre résidence Banjon Station? Oh, il y a d'abord un choix personnel, mais il y a aussi le board. Il y a des gens que j'ai associés à un comité. Un comité, je ne décide pas tout seul, mais je suis quand même de cette profession. Et donc, il y a un premier choix qui est le mien, mais aussi, il y a d'autres propositions qui viennent du board. Voilà. C'est une association, c'est pas encore une fondation, mais c'est une association avec des écrivains, des agriculteurs, des intellectuels et des gens de la communauté locale qui sont dans Banjon Station. J'y vais régulièrement, je vis entre Paris et Banjon. Et le 30 de ce mois, le 30 avril, je suis au Cameroun. Donc je travaille beaucoup avec la communauté locale et les habitants qui prennent des décisions. Mais je suis quand même aussi celui qui a bâti le lieu et qui viennent parfois avec des artistes sans passer par la commission. Mais il y a une commission avec des écrivains, des journalistes qui m'aident à faire le choix, non seulement des artistes qui vont venir en résidence. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Il y a une question ici. Peut-être vous l'avez déjà dit, parce que je suis arrivée en retard, mais j'aimerais savoir si depuis votre jeune enfance, vous saviez que vous voulez devenir un artiste, ou il y a quelque chose qui a changé vos perspectives d'avenir et vous avez décidé de devenir artiste. Très bonne question. Très jeune, je dessinais déjà dans l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. 8 ans au cours moyen de, je dessinais déjà. Mais après, j'ai eu envie d'entrer dans l'armée, de faire l'armée dans, quand je serai grand. Mais ma mère n'a pas toujours voulu cela. Mais la classe de 3e est déterminante parce que je découvre à la bibliothèque des livres sur Goya, sur Titien et sur Rembrandt. Et j'arrive à lire la dextérité que ces artistes ont eue pour peindre les portraits dans le clair-obscur. C'était de la folie. Et je me suis dit, ce ne sont pas des êtres humains qui ont fait ces peintures, ce sont des magiciens. Et quand j'ai terminé... Non, ce sont des magiciens. Et je me suis dit, je veux être magicien. Et comment faire pour devenir magicien? Il faut aller dans une école des beaux-arts. Et pour moi, il fallait aller dans une école des beaux-arts. Vous voyez, donc, je savais ce que je voulais faire. Moi, j'interviens dans beaucoup d'écoles des beaux-arts en France, à Biarritz, à Lyon, à Paris, à Münster, mais beaucoup de jeunes étudiants n'ont pas la même envie comme moi, j'ai eu l'envie de faire ce métier. Surtout en France, on m'a proposé d'être enseignant. Et j'ai eu du mal, je n'ai jamais vraiment accepté. J'ai accepté dans les écoles qui étaient dirigées par des artistes parce que c'était des amis à moi. Mais vraiment, j'ai du mal avec des jeunes artistes français dans les écoles des beaux-arts. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent s'amuser. Contrairement un peu à ce que j'ai vu à la Kunstakademie de Düsseldorf, et j'ai visité à Leipzig, les étudiants travaillent parce qu'ils veulent être comme le professeur aussi, qui est d'abord artiste. Et donc, ils sont tellement vaccinés et ambitieux que vous ne pouvez pas savoir que ce sont les travaux des étudiants quand vous venez à Düsseldorf pendant le Rundgang. Le Rundgang, c'est l'exposition annuelle au mois de février, dans les couloirs, ce sont remplis des gens qui sont venus d'Amsterdam,
de Berlin pour voir le Rundgang de la Kunstakademie Düsseldorf, tellement les travaux des étudiants sont puissants. Et aux Beaux-Arts, en France, dans les écoles des Beaux-Arts, les étudiants cherchent leur club et leur café. Et incroyable. Et donc j'ai toujours eu du mal à enseigner en France. Et les écoles des Beaux-Arts en Allemagne, pour moi, sont plus émouvant d'être un enseignant et être à l'école des Beaux-Arts en Allemagne, de voir vos étudiants. Quand on apprenait que Yannis Kounilis devait arriver, mais c'était un tremblement de terre dans l'atelier de Kounilis. Et de l'autre côté, quand vous savez que Tony Crack est là, il y a un mouvement d'étudiants parce que tout le monde veut montrer son travail au grand maître Tony Crack qui expose à la Royal Academy ou au Musée d'art moderne de Houston. Vous avez des exemples d'artistes. Voilà. Donc, moi, je voulais répondre à votre question comme quoi je savais ce que je voulais et donc il me fallait aller dans une école des Beaux-Arts pour revenir à votre question. Et je suis allé en Côte d'Ivoire faire les Beaux-Arts depuis ma jeunesse. Je savais que c'est ce que je voulais faire comme métier. C'est ça qui est important, de choisir ce qu'on a envie de faire. Et que chaque parent puisse laisser la liberté aux enfants. Si un enfant veut jouer au football et être heureux, laissez-le aller jouer au football. Si un enfant veut faire du théâtre, ou du tennis, ou de la médecine, ou de l'architecture, ou de la couture, il faut les laisser s'épanouir et être heureux. Comme quoi, la découverte de l'art à travers un livre, comme quoi c'est utile les livres, et comme quoi l'art, on le sait, changer la vie, transformer le monde. Il faut reprendre Rimbaud, par exemple. C'est ton cas, c'est une belle anecdote. Tu disais, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie d'être professeur, parce que c'est un peu un fil à la patte au niveau de tous tes voyages. Mais je sais que tu donnes des cours ou des ateliers à Biarritz. Et je vais peut-être déjà à Delantal, que tu devrais revenir à Barcelone pour donner un cours. C'est prévu autour de la gravure qu'on va faire durant l'exposition. Barthélemy sera là et je pense qu'on fera de la publicité pour cela. Il y aura un cours de gravure avec notre cher ami. Peut-être ce qu'on devrait faire, c'est faire une sorte... ce que Barthélemy disait, voir des jeunes, on peut sélectionner des jeunes de Barcelone qui veulent partager le travail avec vous pendant que vous êtes ici. Une chose qui me semble très importante, c'est cette idée. Et je disais avant, pour moi, c'est comme quelqu'un qui raconte des histoires, un storyteller. Dans le sens d'intervention dans l'histoire, parce que s'il y a quelque chose de magique chez les artistes qui travaillent depuis des approches décoloniales, c'est la capacité de déconstruire la certitude qui existait dans le monde de l'illustration, d'aller contre les certitudes. On a vu vos travaux sur l'immigration. Vous avez travaillé sur l'immigration, des œuvres sur les statuts du travailleur. Il y a une œuvre très intéressante à propos de devenir un président avant que Obama devienne président. Alors, Barthélemy, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous choisissez les sujets à propos desquels vous voulez travailler? Est-ce que vous ressentez une responsabilité? Parce que ce que vous montrez à Banjoon Station, c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs, qui a été montré ailleurs? Je choisis les thèmes par rapport à mon regard sur notre société. Tout ce que je vis dans le métro à Paris, ce que je vis au quotidien, même au Cameroun, ce que je vis dans ma cité universitaire à Düsseldorf, à Uniklinicen, où j'arrive en Allemagne, je suis loin de mes parents, et j'ai créé la série de dessins d'Asbeth, avec ce petit chien
que je dessine en 1995 qui apparaît sur mes dessins d'Asbeth, qui veut dire le lit, parce que je suis enfermé dans ma salle, dans ma cité universitaire de 9 mètres carrés, et je vis une solitude très forte. Je crée des dessins d'Asbeth. Et dans les dessins d'Asbeth apparaît un petit chien qui, sur toute la série, va sillonner tous les 400 dessins. Et que vous voyez, quand je reviens au musée Picasso, je découvre le chien de Velázquez, qui est unique dans un style classique, académique. Je découvre le chien de Picasso, qui est d'une manière furtive, comme ça, cubiste. Et je remets mon chien de 1995 dans les Ménines que je réalise à Barcelone. Et donc, pour vous dire que les thèmes que j'ai pu aborder viennent au fil du jour de ce que je découvre, de ce que je regarde à la télévision, j'écoute à la radio, simplement. Et que j'ai la chance d'exprimer ces thèmes par n'importe quel matériau, que ce soit la gravure que j'ai eu à apprendre en Côte d'Ivoire, ou la céramique, ou la performance. Je suis passé dans 10 écoles, ce qui m'a donné une multiplicité de médiums à utiliser pour exprimer tout cela. Et ici, dans cette exposition, vous voyez les sculptures avec des slogans que j'ai pu recueillir des manifestants qui manifestaient pour la liberté, pour leurs problèmes sociaux, que les États et les gouvernements puissent s'intéresser à leurs problèmes sociaux, sont réunis dans cette installation avec les tampons que j'ai montrés à la Biennale de Venise. Donc, je suis un artiste d'aujourd'hui qui s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui, pour répondre à votre question. Donc, quand j'écoute tout ce qui se passe, je m'inspire de tout cela. Et aussi parce que l'interview ou le discours d'Albert Camus de 1957, que vous tapez sur Google, vous pouvez le lire et vous pouvez écouter Camus lui-même prononcer ce discours. Pour un jeune artiste, il est décisif. Et j'ai eu la chance de ne l'avoir pas écouté à cet âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je l'ai écouté vers les années, il y avait 28 ans. Et depuis cet âge-là, jusqu'aujourd'hui, mes travaux ont un sens parce que Camus parle du rôle de l'artiste dans la société. Et dès l'âge de 28 ans, je m'intéresse déjà aux problématiques des frontières, je m'intéresse à la déforestation au Cameroun, où je vais dans la région de l'Est, où on est en train de saccager les arbres. Je me mets en harmonie dans une situation de modèle dans les bouts de bois, parce que j'avais appris la photographie à Grenoble. Et je réalise cette série que j'ai appelée Une autre vie. Et Road to Exile, que vous avez vu passer ici, cette barque chargée de ballots de ces Africains, il y a 20 ans, je fais ces œuvres-là. Aujourd'hui, on parle des problèmes des migrants, que ce soit dans les pays de l'Est, là, actuellement, où il y a la guerre. En Ukraine, où il y a la guerre aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan. On parle de ces déplacements aujourd'hui, mais c'est des thèmes qu'il y a 20 ans, 22 ans, je les ai bien travaillés, signés. Donc ma chance, c'est d'être au contact des problèmes que les gens vivent au quotidien. Et c'est surtout d'avoir maîtrisé le discours d'Albert Camus de 1957 qui m'aide beaucoup. Une fois que vous avez décidé le sujet, qu'est-ce que vous faites pour choisir une matière ou une autre? C'est-à-dire le choix de la matière? Le fait de choisir à un moment donné si vous allez faire une installation
à part l'espace qu'on vous propose, mais à quel moment choisissez-vous si ça va être quelque chose de spécifique, une céramique, un papier, une installation? Question. Je pense d'abord à l'idée que j'ai envie de faire en tant qu'artiste. Et je me dis, en quels matériaux je peux mieux utiliser pour exprimer ma pensée? Ça, ce sont des questions primaires, prioritaires, des débuts qu'il faut avoir. Comment je peux mieux parler des problèmes, des difficultés de passer les frontières? Et c'est comme ça que je découvre en 1996 que la performance était mieux pour moi de bien parler des problèmes de transit. Barthélemy Togo Transit, les problèmes pour traverser les frontières. Parce que j'avais vécu cela déjà, étant étudiant à Grenoble, je suis allé à Bruxelles, j'ai vu comment tous les étudiants avaient traversé, les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Grenoble avaient traversé le contrôle de police, et moi j'étais resté de l'autre côté. Pendant une heure, on étudiait mon cas, et les étudiants m'attendaient, et ça m'a beaucoup touché. Et c'est ça qui m'a mené à choisir la performance pour parler de mes problèmes, pas de mes problèmes, des problèmes, des problématiques des frontières que certaines personnes ont. J'ai débuté le transit 1 avec la valise en bois, le transit 2, le transit 3, qui se passait loin des musées, loin des galeries, loin dans les lieux destinés à l'art, mais plutôt dans les gares, dans la frontière du Gabon et du Cameroun à Lambaréné, à la gare de Lyon, la gare de Cologne, dans le Thalys. J'avais changé des lieux de fabrication d'art qui étaient dans des zones de transit. Et donc, je pense d'abord à en quel médium, puisque j'ai fait 10 années, je ne dis pas qu'il faut faire 10 années, j'ai eu la chance, je vous l'ai dit au début, d'avoir appris le dessin, d'avoir appris la sculpture, d'avoir appris la gravure, la photographie, la performance. J'ai eu la chance, un tronc commun dans une école des beaux-arts est très important pour que les étudiants puissent passer un petit peu dans ces ateliers et non des écoles des beaux-arts qui débutent directement en disant que l'art contemporain, c'est la vidéo, ainsi de suite. Vous voyez dans mon exposition, que ce soit au premier étage, quand nous vivons l'ère du Covid, et que je suis en résidence à l'atelier Calder, dans la ville de Saché, à côté de Tours, et je vois comment toute la planète suit ce discours avec les masques, et qu'il y a eu l'histoire de Balzac à Tours, lui-même, qui a parlé d'un homme lion dans la ville de Paris. Et tout cela m'amène à créer Animal Comedy qu'on est ici, avec les masques que nous vivons aujourd'hui dans notre quotidien. Et donc, mon contemporain est ma source d'inspiration pour répondre à votre question. Je suis très long, mais... Non, c'est alguna otra pregunta. Il y a d'autres questions, oui, une et deux. On les écoute les deux et on répond et après on fait la pause. Mon français, ce n'est pas très correct. Mais. oui. Ah, non, pardon. En catalan, allez-y. En catalan? Oui. Ok. Y a-t-il des techniques ou des styles concrets que vous préférez pour vos œuvres? Du tout, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous voyez que quand je suis touché par ces problématiques de frontières, je travaille les performances. C'est des performances. Plein de performances. Et là où Hans-Ulrich Obrist, commissaire d'exposition qui a travaillé avec Kasper Koenig, découvre ma manière de m'exprimer comme une manière très singulière qui ne se passe plus dans un musée, mais à l'extérieur du musée, et m'invite au musée d'art moderne de Paris pour montrer les transits de Barthélemy Togo. Mais
deux ans qui suivent après, je suis invité à la Biennale de Lyon avec Jean-Hubert Martin, où j'ai un espace énorme et je me dis, il faut que je fasse une installation avec des sculptures. Je pars des performances à la sculpture avec la tronçonneuse, je sculpte les platanes, les peupliers, je fais une installation qui est le théâtre infini d'une série de gigantesques barques qui transportent des cartons de bananes pour aller en Europe et d'un gigantesque Boeing 747 qui transporte les Africains sans papier pour revenir en Europe. Ça, c'est en 2020. 2020, 22 ans aujourd'hui. Cette installation est au Musée d'art moderne de Lyon et c'est en sculpture. Et quand on tombe en 2002, on tombe sur la série des aquarelles que j'ai appelées baptismes, qui sont des problèmes que j'ai eus avec ma famille, qui se disaient, mais à ton âge, 33 ans, tu n'es pas marié, tes amis, enfin, à l'âge de 21 ans, avaient déjà deux femmes, quatre enfants, 33 ans, tu n'es pas marié, est-ce qu'il y a un problème sexuel? On en apprend tous les jours. Hein. Est-ce qu'il y a un problème d'impuissance? Il faut venir, on va t'amener chez un guérisseur, tu vas boire des choses. Et là, je me trouve déjà à Düsseldorf. J'écoute comment ma famille est dans une situation d'inquiétude énorme. Et ce que moi, je vis moi-même, et je décide cette création qui s'appelle baptisme. Barthélemy Togo, baptisme. Il faut regarder. Qui est une façon de répondre à ce problème et qui sépare les dessins. Donc je parle de quoi pour répondre à votre question? À performance, après sculpture, après dessin. Et donc, en tant qu'artiste, c'est d'abord qu'est-ce qui est mieux approprié pour moi pour m'exprimer. Si c'est la peinture, je ne pense pas à la pensée française, comme quoi la peinture est dépassée. Ceux qui font de la peinture n'ont rien compris à l'art contemporain. Je ne pense pas à ça. Je suis contre cette démarche artistique qui a été très forte en France dans les années 80-90 avec l'esthétique relationnelle. Moi, mes problématiques sont... Ce n'est pas le matériau qui est dépassé. Le bois qui parle d'un problème de migration n'est pas dépassé. Donc, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est un petit peu d'abord penser... À quel matériau va me permettre de mieux m'exprimer? Comme quoi les petites questions suscitent de magnifiques réponses. Dernière question. Voilà. Bonjour. Je voulais vous demander le suivant. Vous avez dit que quand vous travaillez, quand vous exprimez votre art, vous pensez, vous vous posez plusieurs questions. Alors, pensez-vous aussi à l'impact et à la répercussion et même pensez-vous à l'impact dans de votre art sur la société? Et une autre question, pendant votre trajectoire professionnelle, avez-vous vécu la censure? La censure. Donc la première question, c'était sur quoi la première question? C'était l'impact. Hein, si vous pensez à l'impact sur la société. Oui. Parce que moi, quand j'écoute le discours d'Albert Camus de 1957, il faut l'écouter tout de suite sur YouTube. En pleine guerre d'Algérie. Camus dit des choses qui vont secouer un étudiant de l'école des Beaux-Arts, qui va comprendre que son art ne doit pas être
de n'importe quoi. Il est artiste, il porte une charge énorme dans la société. Il doit utiliser ses capacités, son statut d'artiste pour dire des choses. Et c'est ça qui m'ébranle, qui m'a secoué. Le discours de Camus de 1950. Donc je l'ai écouté. Et j'ai compris depuis ce jour-là, tout ce que je dois produire dans l'art doit être quelque chose où l'émotion, où le message doit être fort. Et donc, je réponds à votre question par cela. Et quand je mets les cartons de bananes au sol à l'université de Savannah, et que les étudiants rentrent en piétinant ces cartons de bananes, c'est pour protester par rapport aux conditions de vie que les employés de ces bananeraies souffrent. Et je place ces cartons de banana box au sol et on piétine cela. Ce geste performatif que je mets les spectateurs, tous les spectateurs dans cette situation de performer est très fort. Quand j'installe ces ballots de tissu au Louvre il y a 2 jours, avec Andron là, on est reparti à Paris pour assister, superviser cette installation. C'est parce que les gens partent dans des situations très difficiles avec quelques objets de fortune. Et je rassemble tout cela dans des effets pour partir. Et sous la pyramide au Louvre, je montre tous ces effets pour interpeller les gens, regarder tout ce que les gens transportent pour partir, rechercher la liberté, rechercher la paix, rechercher la solidarité. Et il y a un message qui est transporté. Un artiste est là pour ça. Et donc, la dimension sociale, elle est là. Merci. Merci. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à Elvera d'avoir libéré un peu son emploi du temps, un peu au dernier moment. Je m'en excuse pour venir dialoguer avec Barthélémy. On poursuivra d'ici un quart d'heure, 20 minutes, avec une autre conversation, notamment avec le secrétaire général de la Biennale de Dakar, qui est parmi nous. Et on va faire une petite pause. Merci, mon ami. Merci.